Ouais, ici, tu peux répéter s'il te plaît, c'est important. Je disais que mes deux journalistes, là, Dupont-Dupont, ouais. Je viens de les récupérer, ils ont été pris en otage pendant que les ravisseurs en otage faisaient une banque. À Paletto, une qui banque s'est dans fait le une banque? Qui s'est fait une banque? bon, je sais pas, ils savent pas, c'était cagoulé et tout. Ok, chope des infos. Garde ça pour toi, il y a une prise d'otage Riolet. Il y a une prise d'otage au bâtiment Event. Ah, ok. Là, je rentre à mes locaux. Le dernier. Messieurs, je le fais. Attendez, je reviens. Si, je t'écoute. Ok, moi. Ouais. Il y a eu un braquage de banque. C'est moi. C'est eux. Et vous avez pris qui en otage? Les journalistes. Oh putain. Encore. Et vous êtes sortis avec combien? Bah justement, là, on va les mettre dans ton coffre. 98 000. 98 000. Ok. Faudra le passer à moi. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Il va aller chercher. Ok. Il va chercher l'argent. Ouais, mais il y a deux choix. Soit on le met là-dedans. Mais s'il y a une descente des flics ou autre, par suspicion, ils peuvent voir le coffre. Oui, ils peuvent le voir. Ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas voir la différence avec le liquide. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Personne ne peut. Je l'ai déjà dit un milliard de fois. Non, non. Toi, t'as pas compris ce que je viens de dire. Non, ils peuvent pas voir l'argent d'où il provient. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, ça je sais. Ils vont voir beaucoup de sous, mais ils vont pas se dire. Et il y aura zéro descente. Non, tu le donnes à McGallaghan. Donne-le à McGallaghan. Bon, pour Riolet, on fait comment? Chercher une idée. On sort à Tokyo. C'est bon, j'ai une idée. 98 555. On peut pas? Bah, on peut pas. Ils vont forcément vouloir sortir, protéger leur quartier. On a un petit problème, messieurs. Bah, on peut pas. Pas quoi? Bah, des cartes d'argent sale. Ok, ah, bon, bah, tu peux vous proposer quelque chose. Je le récupère du coup. Non, on peut vous proposer autre chose. On a une solution ici. J'ai un petit truc de stockage. Voilà. C'est un van. Ok. Je peux le mettre dedans et noter que c'est le vôtre. Comme ça, quand vous le retirez, vous me dites, je vais chercher, je vous le donne. Ok, ça me va. Allez, viens. Ouais. Est-ce qu'à vous, ça vous convient? Ça me va. C'est réglo. Ok, je te donne ça. Voilà. Ok. Allez, vas-y, va mettre ça en sécurité, je vais réfléchir à un plan avec eux. Bah justement, j'ai proposé qu'on aille foutre le bordel dans leur quartier et qu'on leur envoie une photo. Ça me plaît, enfin ça. Que, comme ça, ils vont en sortir. Et une fois qu'ils arrivent, on les allume. Je vais ranger l'argent et je reviens. Il y en a forcément un qui va sortir pour voir ce qui se passe. Possible. Là, je reviens. Okay, j'ai deux jerrycans d'essence sur moi, en plus. Vous voulez qu'on se mette en tenue, alors, ou pas? Oui, moi, je vais aller me changer. Vous faites tout à visage découvert, il me semble, non? Non, je vais mettre ma cagoule pour ça. Ah, quoique. Non, moi, je me cagoule pas. Non, mais je vais me mettre les habits noirs. Ils savent que c'est nous, hein, de toute façon. Ok, bon, bah, moi, par contre, je vais devoir me mettre en tenue. Oui, ça, c'est normal. Bon, ce qu'on se fait, vous avez une radio, nous, on a une radio. Ok. Comment on fait, d'ailleurs? Oui, D'ailleurs, messieurs, j'ai un problème de téléphone, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai bien vu. Oui. Mon micro fonctionne plus, donc faudra passer par les SMS. On va attendre monsieur moi. Dis au ravisseur de patienter un peu. Dis-lui qu'on s'est fait arrêter, que Gino il s'est fait arrêter, que Vito il s'est fait arrêter et qu'on sort dans 10 minutes, même pas. 15-20 minutes. Allô, mon petit papillon, oui. Attendez, je reviens, je réfléchis pour pas me pisser dessus. On s'est fait arrêter par la police. Mais si, mais on est sorti, hein. On est sorti. Oui. Et ils sont toujours là? Ok, on arrive. Dans 5 minutes. Ils sont combien dedans? Putain de policiers de merde. Ils sont combien dedans, là? Tu veux que je te suce la bite en attendant ou comment ça se passe? Hein? Je peux te sucer le dard. Regarde, je te touche la caquette. Tu la sens, là? Tu sens la caquette? Elle durcit. Ouais. Ah, pardon, bon, excuse-moi. Tu te calmes? Ouais, ouais, d'accord. Bon, il s'est passé quoi, il lui a dit? Bon, il est au téléphone avec elle, il essaie de savoir le nombre de ravisseurs. Ok. Vous avez quoi comme type d'arme? Kalachnikov, fusil à pompe. Ah oui, c'est pas le petit équipement, ça me plaît. J'ai hésité à aller acheter une calache avec l'argent directement. T'aurais pu. Mais bon, on veut faire des économies. Voilà, ça va? Oui, ça va. Ok, je sais pas, j'ai l'impression que ta voix elle est. Oui, c'est parce que je vapote. D'accord. Tu vapotes sans les mains là, c'est ça? Oui, c'est une vapotation mentale. Ok. Elle dit toujours la même chose, qu'elle s'est enfuie, qu'il faut venir vite dans le bâtiment, etc. Voilà. Ils sont en train de péter un câble. C'est très bien. Oui, ils sont en train de péter un câble. De quoi ils sont pas... Attends, ils répètent un peu. En gros, elle me fait croire qu'elle est toute seule dans le bâtiment et qu'elle sait pas où ils sont, mais je sais très bien qu'ils sont tous à l'intérieur du bâtiment et qu'ils nous attendent à l'ascenseur. Ouais, ok, d'accord. Parle normalement si t'as envie aussi. Hein. Oui, mais tu sais, ça commence à m'énerver tout ça. Oui, je comprends. Voilà. Ok. Ils sont combien environ? Ils sont 5. On a demandé tout à l'heure. Combien 5 minimum. Ça, je sais pas. Je pense, les connaissant les familles. 3 ou 4. 3 ou 4. Oui, oui, oui. Oui, c'est que des pistolets. Oui. Ils ont tous un pistolet ou il y a un pistolet? Non, il y en a pas qu'un. Il y en a au moins 3 ou 4. Oui. Le pistolet contre Kalash, je pense que ça fait la différence. Ouais, mais en plein centre-ville, ça fera aucune différence. Oui, on va se faire instantanément arrêter. Oui, c'est clair. L'idée de Mou me plaît. Bon, allez, en tenue.
Allez, on y va là. Comment on fait pour la radio? On se rejoint au quartier. On se rejoint au quartier, let's go. Radio, vous savez où ils sont? Oui, oui. Les ravisseurs étaient pas russes. C'était des amateurs. En croisant le shop. Ils se faisaient appeler Sangoku et Vegeta. Bien pris. On sait qui c'est, hein. Ah, ok. Tu me diras. Les Italiens. Ok. Emmène-moi la foyère, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Au pire, c'est toi qui conduis, c'est bon. Ouais, ça sent bizarre leur plan. Hein. On l'envoie. Non, c'est bien le plan. Non, 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 mais leur truc là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Qui ça? Bah, les Italiens, pourquoi les familles veulent s'en prendre à eux? Elles avaient pas dit qu'ils allaient en choper un ou deux? Ah, c'était juste pour ça. Bon, je peux comprendre. T'as une arme sur toi? Non, j'ai rien. Ouais, parce que pour foutre le feu, foutre le bordel, il faut une arme. Et toi, t'en as une? Non. Et eux, ils en ont une alors? Oui. Et ben voilà, c'est eux qui vont c'est quoi, le je bordel. Là, je prends un coup de touche, pas dans cette histoire, hein. Enfin, on se mouille le moins possible. Au pire, on sert de pilote, on leur donne des idées, ça s'arrête là. Hors de question que je tombe pour eux deux. Ah, moi, je mettrais quelques coups de couteau, quelques... Ouais, je t'avoue que si je me glisse un ou deux coups de couteau, ça me fait plaisir, mais... Voilà. Ça va, Charles? Attends, on va voler une voiture, hein, peut-être mieux. Ouais, vas-y. Ouais, allez, c'est tu là. Vas se garer là? Oui, oui. Tiens, je me serais fait kidnapper. Putain, il n'y a qu'un camion. Ah, c'est pas mal. C'est quoi, c'est la simulation de Walking Dead aujourd'hui ou quoi? Non, mais tu vas pas prendre un camion, gros. Allez, on prend ça. Ah, ça suffira pour foutre le bordel, tu crois? Oui, oui, largement. On leur donne un point de rendez-vous ou pas? Tu leur as dit dans leur quartier, mais bah pas oui. Dans le quartier... oui, ça boussait. Le quartier des familles. Ouais. Bah, ça dépend lequel. Grove Street, Farm Drive. En roulant, on les trouvera facilement, je pense. Par contre, j'ai une idée. On tabasse ouais. un Families, là. On prend en photo et il leur envoie. Oui, bah c'est le but. Attends, bon. Ouais, c'est gauche, là. Appelle-les pour voir où ils sont, là. Je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Envoyez un SMS. Je leur ai dit... Ah, ils sont là. Attends, ils sont là. Bon, messieurs. Ouais. Recherchez un Families, on tabasse. On vous prend en photo avec. Ok, ça me va. Vous êtes pas masqué? Si. Si, t'inquiète pas, ça ok, va. Parfait. Allez, il est où Il est là, il brûle le tout là. Ah, c'est pas mal ça. Deux photos, ça parlera mieux. Ouais, je vais l'envoyer directement à Ashley. On pourrait faire péter le camion aussi. Ah ouais, ouais. Ouais tu pourrais le renverser sur leur métalleur. Ah, attends. Et je vais faire une photo de l'essence que j'ai mis à l'intérieur. Je l'envoie à Ashley, je leur dis de le montrer. Ils vont se pointer tous. Ok. Brûle tout. Par contre, messieurs, je fais la photo. Fais la photo. De l'intérieur, tu veux? Non, oui, de la photo. Attendez, nous on a rien pris en oui. Arme. Oui, vous n'avez rien pris en arme. Mais c'est pas possible. Mais tu es con. Mais vous êtes con ou quoi? On sert juste en supérieur, putain. Oui, c'est vrai, c'était le plan de base, hein. Bah c'était oui. Quoi le plan? De base, on foutait le feu. Mais il a rien entendu. Planter d'autres. Bon, allez, brûle-moi cette maison. Ok, je fais la photo. Mais fais la photo quand même. De l'extérieur, je vais tout. Ah! Putain, c'est pas mal. Mais ils sont débiles, c'est des... Ça pue la merde. Non mais leur plan il pue la... Eh, premier truc chelou, je me tiens. Oh, ouais, tranquille. Attends, c'est normal que je vois en rouge là? T'as tes règles. On explose le camion ou... Bah comment tout l'explose? Prenez en photo, allez. Nous on sert juste pour la beauté du jet. Allez. Et pour vous dire des plans, parce que vous avez pas d'idée. Oui, c'est vrai. Et l'intérieur, ça a brûlé l'intérieur? Je crois qu'il est dessus là. Viens faire la photo de l'intérieur. Viens faire... Ok, putain, on n'est pas photographe, hein, putain. Allez, putain, c'est des sacrés zigotos. Il a enfermé son pote dans le feu. C'est bon. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui va venir sur le coup. Il va venir armé avec okay. Une tenue. Tu l'as... Je prends un point de vue d'ensemble. En plus, j'ai un filtre rouge, là, magnifique. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir sur... Il y a Monsieur S qui vient. Ok. Monsieur S? Ouais. Pour faire quoi? Il va venir armé et habillé. Bah, pour la supériorité numérique. Et comme ça, nous, on court dès qu'on voit une arme sortie. Par contre, faites attention si jamais ils viennent directement, hein. Ah, bah, je m'en vais. Oui, bah oui. On a qu'une voiture en fait. Ouais, attends, on va se cacher. Vous savez où on peut prendre des hauteurs ici là pour analyser ou pas? Sur les toits. Ouais, sur merci, les toits. Oui, oui, sur les toits. Là, il y a une échelle. Là-bas, là. En même temps, moi, je m'attendais juste à planter des Renoirs. Tu vois la voiture là-haut là? Oui. Viens, on la prend et on se casse. Qui est garé en face? Là-bas, là. Ouais, là-bas. En noir. Ouais. Timmy Styler, son. Attends, ils sont où là? Ils sont où? Non, ils sont cachés derrière la barrière rouge, je crois. On aurait peut-être dû leur demander de passer sur la radio, là. Ouais, mais le temps que l'opérateur, il les mette sur la radio... En plus, il est pas l'opérateur, je crois. Non, moi, je peux m'en occuper de ça. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on attend. S'ils viennent, on attend qu'ils aillent de tourner. T'as un couteau? Non, j'ai rien. J'ai rien et j'ai pris un coup. Ok, parce que tu feras, c'est que tu
mettras ton doigt dans le dos du mec et tu lui feras croire que c'est un couteau. Ok. Ouais. Ça n'est pas dans son dos, donc si ça vient dans son dos, mis à part croire qu'il a un couteau, alors qu'en fait c'est juste ton doigt. Ah, ils sont sur le toit d'en face, c'est con, regarde. Il dit on attend, je suis sur le toit d'en face. Ils ont appelé les flics, non? Appelle-les pour voir s'il y a des nouvelles. C'est ce que je viens de faire. Et il décroche pas. Non, bah si, mais il m'a dit qu'on attend. Ouais, radio ici, boss, je vous explique la situation. Les Italiens nous ont mis dans un traquenard, en plein milieu du quartier des familles. On attend des familles pour essayer de retourner la situation parce que Ashley a été pris en otage dans le bâtiment de l'Event. Je suis évidemment accompagné de poison. Notez pour vous. Ne venez pas. En gros, venez pas à moins que vous vouliez venir avec une arme et habiller. Demande Brandon ou Daryl des families. Non, tu vois, je te comprends pas en fait. Là, on va prendre des families en otage, mais ils doivent pas savoir que c'est nous. À part les deux putains d'Italiens. Hein? Vous êtes dans la sauce. Ouais, bah oui, parce qu'en plus, qui gère? Mais pourquoi vous êtes parti comme ça sans nous prévenir? Parce qu'il y a de l'argent à se faire en jeu. Et c'était pas prévu. Et c'était pas prévu parce que je te l'ai dit tout à l'heure qu'Ashley était pris en otage. Donc c'est pour récupérer Ashley. Mais je viens de penser à un truc là. Bonne chance. Ils ont envoyé la photo à Ashley. Attends, tu parleras, c'est bon. Ils ont envoyé la photo à Ashley du feu. Ouais. Mais s'ils ont pris le téléphone d'Ashley et qu'ils lui rendent pas, on peut pas savoir qu'elle a reçu un message. Donc ils verront jamais. Bah tu leur as dit? Non. Attends, j'essaie d'appeler. Mais allô? Dis-moi, vous avez envoyé la photo à Ashley, mais s'ils ont pris le téléphone d'Ashley, on peut pas savoir qu'il a reçu une photo. On va sur leur radio au pire. C'est eux qui décrochent? Ah, ok. On va sur leur radio ou pas? Ouais, bon, on va essayer de venir. Ouais, mais je crois que c'est. Il y a aucun. Je crois que c'est S. Il est quoi, il est rond? Il y a aucun flic, hein. Ouais, c'est S. Vas-y, on se communique ça. Tu vas pas faire un truc, tu sais, l'espèce de fréquence privée sur. Sur l'opérateur radio. Si, dis-leur de venir sur notre radio et je les embarque. Vas-y, dis-leur. Ouais, mais pas sur les fréquences qu'on a, nous. Non, t'inquiète, putain. Allez, go. Ouais, on change de fréquence radio pour voir avec eux. On va juste quelques fréquences plus haut. Ok. Il est toujours pas là, putain, le S, là. Il s'est pas monté sur un toit. Allez, sur le toit avec l'héritable. Ouais. Okay. Bah, je leur ai dit de se mettre dans n'importe quelle fréquence. Ah non, les familles arrivent avec l'otage, putain. Ah. Attends, fais gaffe qu'on voit ta tête. Bah non, toi, on voit ta tête, par contre. Toi aussi. Attends. Bah attends, c'est bizarre. Ouais, radio. Ok. Vous êtes bien avec Monsieur S? On est bien avec Monsieur S. Bon, écoute-moi, j'ai eu l'avocat, il a libéré l'avocat, mais ils arrivent avec John et Ashley ici. Ils arrivent à combien? Ils étaient 5, ils arrivent à 5. Ok, donc. On a 3 flingues et un couteau. Et mes manus. Mais vous êtes sérieux de pas avoir pris de flingues? À la base, on s'était juste à venir planter quelques renois et tout. Et ensuite, partir chercher les armes justement le temps qu'ils arrivent. D'ailleurs, j'ai le temps. Tu veux y aller là? Et nous, on dévoile pas notre position, on les laisse venir là. Ils vont pas savoir qu'on est sur les toits. Ouais, mais là, ils vont pas tarder à mon avis. Moi, je te conseille d'y aller maintenant. Non, c'est trop dangereux. Ouais, mais s'ils ont plus de flingues que nous, quoi qu'on a l'avantage de la hauteur. Mais oui, on va aller surprendre. Là, un camion, c'est qui? Non, c'est pas un camion. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur G? On leur tire dans la panade ou quoi? Ok, il y en a un nouveau qui vient sur le coup pour nous aider. C'est qui lui, c'est en familise? Il y en a un nouveau qui arrive là. Ok. Armé et habillé, donc il sera avec nous. Ok. Et on fait quoi? On les bute tous ou pas? Oui, je les fous, mais dès que je les vois. Moto. Ok, moto blanche. Laissez-les s'installer. Ouais, ils arrivent ou ils passent par Madrid là? Je sais pas ce qui branle, putain, c'est des amateurs. Mais je veux pas faire le parano, mais je suspecte qu'ils aient les yeux partout, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire qu'ils ont hacké la NASA? Ils ont hacké la NASA et leur satellite. Si, c'est possible, hein. J'arrive tout dire en marchant. Monsieur P, okay, j'ai vu une moto. J'arrive. Ok, on est sur les toits. Monsieur, bien là-haut, toi. Bien pris. Qu'est-ce que... Tu t'es cassé la gueule, Vito? Non, pas du tout. Je viens là parce que c'est encore mieux que... Bon, messieurs, est-ce que vous avez déjà joué à Counter-Strike? Oui. Ok. Et ben là, ça va être une nouvelle partie. Ah, yes. Et par contre, faut faire gaffe aux otages. Faut neutraliser absolument les ravisseurs. Oui. C'est pas grave. Bon, après, c'est vrai que ça se soigne. Moi, j'ai pas besoin. Je connais parfaitement où aller ma balle. Il y a la moto blanche qui s'est arrêtée devant l'église. Allô? Ah oui, c'est vrai. Monsieur P, il va falloir faire un effort, s'il vous plaît. Vous voulez savoir où on est? Ok, il y a une Sanchez juste là-bas. Ah, j'ai. Est-ce que je bute le mec à la Sanchez? Non, il nous a vu. C'est parti. 250, je sais pas s'il nous a vu. Monsieur P, venez sur le toit, s'il vous plaît, en face du camion en feu. Vous montez sur la voiture garée, bleue. Je peux rentrer dans le quartier, c'est bon? Ouais, viens à la position où on est. Pour l'instant, ils viennent en moule. Véhicule, moto. Baisse-toi, toi. C'est Monsieur P. Ah non. Ok. Non, c'est pas Monsieur P.
Si, c'est lui, un mec masqué. Je suis devant à côté du camion là. Ok. Monte okay. sur la voiture bleue, va chier, et rejoins-nous sur le toit s'il te plaît, de la maison où il y a le camion. Bah, va chier. Il y avait une Sanchez qui traînait au niveau de l'église. Est-ce que vous pouvez aider, expliquer à Monsieur S, s'il vous plaît, pour rejoindre la fréquence radio là? On m'appelle, attends. C'est Petit Papillon, elle m'appelle, écoutez bien. Allô? Monsieur P, faudrait que tu nous rejoignes. Hein. Elle est où votre voiture? Mais putain! Votre camion, pas la voiture. Tu montes sur la voiture, elle est garée sur la maison en face du camion, juste en face, bordel. Ouvre tes yeux. Voilà, tu vois là la voiture là? Bâchée? Voilà, bleue. Non. Non mais gros, c'était ça, c'est vraiment putain. Derrière toi, allez. À gauche. Allez, il est pas. Tu chauffes, à droite. Voilà, c'est bon. Allez, monte sur le toit et tu nous rejoins sur le toit de la... Tu vas nous voir, on est allongé. Non, derrière. Putain, mais quel abruti. Mais c'est pas vrai. On peut avoir des infos, s'il vous plaît, sur l'appel, là? Mets-toi en radio pour leur dire. Mets en radio. J'ai eu Ashley Grayson, ils l'ont relâché. Ouais. Ils savent pas où est John. J'ai envoyé l'avocat récupérer Ashley. Par contre... Je ne sais pas ce qui branle. J'ai comme le mauvais pressentiment qu'ils savent quelque chose. Je crois qu'ils cherchent leur couille là à ce moment. Attends, je vais rappelle Ashley et demande-lui le numéro de family. Eh, hey, t'as de quoi soigner ou pas là? Absolument pas. Nickel. Je t'appelle Monsieur P sur la radio vu qu'il y a d'autres personnes. Hein. Ouais, pas de soucis. Ah, la dit papillon. Attends, ah, je crois que j'ai rien compris. Je crois qu'elle est encore en otage en fait. Je crois que j'ai rien compris. Parce qu'elle a dit le mot papillon. Attends, je la rappelle. On se les caille. Ouais, hein. Attends, parce que moi je vois toujours rouge. Hein. Il m'a pété un nerf à l'œil, je crois. Je crois que j'ai fait une boulette, Gino. Ouais, t'as allongé plus facile. J'ai oublié qu'il y avait un mot de code. Bon, il semblerait que. Vous m'entendez radio ou pas? Oui, on vous entend, ouais. Bon, il semblerait qu'elle soit toujours prise en otage. Ouais, mais qu'elle soit dans un hangar. Là, par contre. Attends, j'ai un message. Parce que tu m'as quand même pété un nerf et là je vois Bordeaux là. Je vois que. Je pourrais tirer sur n'importe qui là. Je crois qu'elle est vénère. Et pourquoi? Attends, je l'appelle. Ouais, j'espère qu'avec tes hommes de main, tu seras un petit peu plus, tu vois. Elle me répond plus. Ouais, mais même elle, je crois qu'elle en a marre, elle est partie au lit, hein. Putain, mais elle comprend rien. Qu'est-ce qu'elle est conne. C'est une bonne femme. Je te laisse gérer, Gino, qu'elle arrête de m'envoyer des messages, je me casse les couilles. Et pourquoi ils viennent pas là, eux? Messieurs, il va falloir faire un petit effort, hein. Ouais, tu m'étonnes. Je veux le numéro des familles. Débrouille-toi pour qu'elle me donne le numéro des familles. On a un numéro. Ok. Envoie-le à Gino. Ou pas, bon. C'est quoi le numéro? Envoie-le-moi. Ah mais c'est eux qui envoient les messages. Mais oui, mais je suis vraiment con ce soir. Nickel, hein. Vas-y, appelle tout le quartier. Surtout bah, qu'elle dirait jamais ça. T'as pas besoin des numéros alors? Mais à mon avis, ils l'ont toujours en otage. Bah, on s'en branle de ça, putain, c'est quand qu'ils viennent? Mais je ne sais pas, ils veulent que nous on vienne. C'est le jeu de chat la souris. Mais ouais, mais j'ai le temps de me faire soigner là. Putain, tu veux qu'on tabasse un famille ou quoi là? On m'appelle. Allô? Oui, bonjour. Bah c'est toi qui m'appelle. Au revoir. Bon, il y a un mec qui m'appelle, je sais pas qui c'est, il me dit bonne chance. Oh putain, je vais les fumer. Sinon on revient demain et on les cache directement. Non, là tout va se passer ce soir, je te le dis. On va les fumer, on va les éclater, on va les ronger. Quelqu'un est venu avec des cacahuètes? Les gars, vous m'entendez radio, j'ai une idée. On a un peu de temps, on se fait pas chier. On se regroupe, on se soigne. Tout le monde se soigne. Vous récupérez tous vos calaches, on va à leur putain de point de rendez-vous et on les fume tous. On est en supériorité numérique et au niveau de l'arme. Est-ce que ça vous va tout le monde? On peut pas. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas un rendez-vous. Centre-ville et ascenseur, c'est pas possible. Non, mais ils ont changé de point. Ils sont où? Ben, ils sont dans un hangar maintenant, paraît-il. Un hangar, c'est ça. Bougez pas, je vais trouver l'adresse. Regardez, je vais les appeler, ça va être réglé en 2-2. Appelez, hop. Est-ce que quelqu'un peut prévenir Jameson? Et il fera partie du plan, dites-lui de s'habiller et prendre son arme. On n'est jamais trop, et ouais, on va faire ça. On va mettre un dernier homme sur le coup avec nous, ça roule messieurs? Ok. Donc on va faire ça, trouve l'adresse et on va y aller. Ok, on va faire ça. Par contre t'as intérêt à régaler, hein. T'inquiète. On récupère les caches, quoi. Je vais en prendre une. Une seule, ouais. Oui, ils me répondent pas non plus, ils me cassent les couilles. Ce qu'on va faire, je vais leur récupérer une cache. Je vais là, je vais vous envoyer un point. On va tous se repérer là-bas en attendant qu'on ait des coordonnées. Véhicule, vite là. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Une fois qu'on a les coordonnées, vous devez partir en premier. On arrivera en arrière-plan, on essaiera d'arriver discrètement. D'accord. Et dès qu'on sera coordonnées, on attaquera deux en face et derrière. Allez, go. Ok. On va se. C'est bon pour tout le monde. Allez. Vas-y, on vient. Ben, attends, il est au téléphone avec eux là. Non, putain, j'ai besoin de me soigner, vas-y, j'ai prendre. On n'aime pas les ascenseurs. Gino, il a le vertige. Non, mais faut que ça aille dans les deux sens. Dis-leur d'aller dans un autre endroit. Ok, tu leur dis on vient, mais sinon un autre endroit. Tu leur dis ça. Ils t'envoient la position, on y va. On arrête de jouer. Parkinson?
Ouais, j'ai entendu l'appel. Dis-lui de se mettre entre lui et tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allô, t'es où? Prendre mes armes. Oh putain. Merci Pigman. Bah oui. Ok, mais Jameson n'a pas d'armes. Hein. Il a rien du tout, putain. Non. Bah dis-lui de se mettre en tenue et de venir. Mets-toi en tenue et viens. On va t'envoyer un point. Faut voir avec, ils sont au port. Avec moi aussi là. Ok, on a sorti. Ils sont au port. On a sorti la calèche. On va soigner. Va derrière l'hôpital et après je vais récupérer mon arme et on s'en occupe. Okay. Lâche la voiture, c'est pas qui c'est qui l'a enculé. Ah, je la sens mal son plan. Ouais, on va tirer. Hein. Tu crois que ça va tirer? Ça va. Bah, papa, papa. Oh oui. Eh, dites à monsieur S de venir, hein. Qui était avec vous, hein. Putain, il est où ce con? Oh, l'a oublié. Putain. C'est pas. De toute façon, appelez-le. On a plus de place dans la voiture. Eh, vous avez le temps d'aller chercher vos armes, du coup. Hein. C'est bon, j'ai pris la mienne. Ok. Mais on va aller à un endroit. Je vous envoie la position et on va réfléchir à un petit plan d'action. Ok. Allez, on y va. Allez. Bah, on va où là? Un point de rendez-vous là? Voilà, un point de rendez-vous. Vous savez où c'est exactement? Quel hangar? Il m'a envoyé une photo. C'est un hangar bleu et rouge, côte à côte. Putain, un m'appel. Vas-y, tu réponds. Oui, allô? Oui. Ils viennent de te relâcher à l'instant, là. Tu te fous de moi. John, il est toujours avec eux. Ok. Ils sont... Ah, ça vaut peut-être pas le coup s'il y a que John, hein. On s'en fout, du coup. C'est où le port, exactement, l'endroit? Du coup, c'est bon, on peut rentrer. Envoie-moi la position. Bon. Ils l'ont toujours, hein, on va être d'accord. Oui, okay. Ils sont relous avec ça. Ils sont relous. Oui. Allez, on y va. Oui. Allez, salut les gars. Elle m'a envoyé la position. Mais ils sont nuls. Je m'en fous en fait de lui, non? Non, mais en fait, ils l'ont toujours, les deux. Ils font la même fin depuis tout à l'heure en disant qu'ils la relâchent, mais en fait, ils c'est la au port tout en bas à droite. Les hangars vraiment contre l'eau. Attends, monte dans la voiture, les suivez, ouais, tu as montré. Ouais. Ils doivent avoir des hommes positionnés en hauteur. C'est eux qu'il faut neutraliser. Et comment vous visez avec ce putain de flingue là? Vous avez trouvé vous ou pas? Oui, regarde bien dans tes yeux. Regarde bien dans tes yeux. Ouais. Putain. Il y a qu'un seul point d'entrée, là où c'est. Un seul point d'entrée. Oh, un deuxième, peut-être en passant sous le pont. De toute façon, ils vont avoir des mecs en hauteur qui surveillent. Ouais, mais là où c'est, le mec en hauteur, on le verra de loin. Ouais, mais ils ont pas de sniper, ils ont que des flingues, donc au pire... Oui, ils ont que des flingues. Ouais. Et bah voilà. Et on fait ça juste parce que Ashley, on l'aime bien. Si. Ouais, parce et aussi que parce que tu nous as promis de l'argent, mais... C'est Pink. Je comprends pas. Ah, c'est toi, Jameson? Ouais. Il a du ping. Non, du je ping. Sais pas ce qu'il dit, j'ai pas compris. Il ne comprend pas, il est autiste. Il y a Monsieur SK. Ouais, certainement. Eh, des fois, un peu d'improvisation, ça fait pas de mal. Hein. Moi, je pense que le Dr. Ray doit rester un peu en retrait. Si jamais, tu vois ce que je veux dire. Ils seraient dans quoi? Ils sont dans un petit garage, c'est ça? Hein, ils sont retenus dans quoi? Dans le hangar, je pense. Parce que dans ce hangar-là, il n'y a rien dedans. C'est juste okay. une petite porte de garage. Là, ils sont deux. Ouais, je pense qu'ils sont dans leur voiture à ce moment-là. Allez, vous avez des nouvelles, quoi. Ce que je pensais faire, c'est bon, vous ce deux. Se passe quoi? Tu les appelles et on y va. Tu leur dis qu'on arrive. Bah moi, j'ai dit qu'on arrivait, hein, déjà. Oui, bah, let's go. Attends, on arrive après. Mais sinon, Vito, Gino, vous irez en premier. Vous irez doucement à l'entrée. Vous regardez vraiment partout s'il n'y a pas un guetteur. Sortir vos armes avant de rentrer. S'il y en a pas, vous nous le dites. Ok. Une fois que vous êtes entré, vous allez au point de rendez-vous là aussi, mais vous restez en radio, vous parlez radio. Il y en a un seul d'entre vous. Ok, ok. Vous vous êtes que 5, vous êtes que 6. Enfin, vous dites le nombre, quoi. Ouais. Ok, de toute façon, ils vont tout de suite couper la radio et couper tout. C'est le premier truc qu'ils vont faire. Ouais, mais avant qu'ils vous le coupent, justement. Ouais, t'inquiète pas. Nous, on passera par la gauche, par les hangars en voiture. Mais je sais pas ce qu'ils après, on déposera à pied. C'est horrible, les gens. Là. Et on arrivera à pied, et puis. Okay. Et puis, bah. Pas longtemps après, parce que faut pas qu'ils aient le temps de prendre nos armes, hein, sinon. Oui, s'ils ont le temps de prendre nos armes, on est dans la merde. Il va falloir Je dirais le mot coquelicot. Ça sera le mot d'ordre pour l'assaut. Ok, coquelicot, on tire. Tu tires, sur tout ce qui bouge. Sauf moi. Ça va partir en bain de sang pour. Ok, bon, c'est parti. Montre-moi le point, on y va. Il manque quelqu'un là, attendez, il arrive. Ah, d'accord. Bah, pendant qu'il arrive, je vais faire un pipi là-bas. J'ai une envie de pisser ahurissante. Oh, il est pas là. Je sais pas, il répond pas là. Bon, on se casse là, ça allait. Ok, opération coquelicot. Et y'a combien à se faire là, les gars? Y'a 10 000. Ne me perturbe pas. Mais on va négocier plus, t'inquiète pas. T'inquiète pas. De toute façon, on passe en premier, on donne toutes les informations que l'on voit. Tout ce qu'on voit, on le décrit. Et pourquoi ils nous tirent dessus? Ils nous tirent dessus. Ils sont dessus. On est sur le pont. Sur le pont principal. Ils sont allés vers le port. Pourquoi ils nous tirent dessus? Reculez. On a reculé. Je me suis pris une balle. Ils sont retournés vers le port. Recule. Demi-tour. On y va, on les fume. Là, on ouvre le feu. Hein. Mais pourquoi ils ont tiré? On sait pas. Parce qu'ils veulent me fumer. Doucement. Vas-y. Ok, tu restes là. Ils sont descendus de leur voiture, je crois. Avance. Ils sont combien? Ils sont plusieurs. Deux voitures. Ils arrivent. Recule. Vous êtes tout le monde. Sur le pont. Recule. Putain, je leur mets des balles, ils s'en foutent. Ils sont combien? Mais non, tranquille, je recule pas. J'en ai mis un terre.
J'en ai mis un. Bouge pas, mais. Ouais, mamma mia, je pensais jamais dire ça à un agent. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Vous faites quoi, vous? Bah, l'entrée du pont, le côté, elle est tout au long. On arrive, on est l'entrée du pont. On fait tout le tour. Putain, je me suis pris une... Essayez de tenir. Ouais, on tient bien, on tient bien. Ils sont où, là? Faut que tu viennes. Là, en face, en face. Ils sont en face. Il y en a à terre. On en a eu deux, je crois, deux. Deux à terre, c'est les ambulances qui sont là, tranquille. On vous attend. Tu veux ma position ou quoi? On y va, on arrive, on a lancé l'assaut. Ils repartent en voiture noire. Vas-y, on les poursuit. Mais. Putain, il me tamponne lui. Ah, t'as niqué, c'est toi qui conduis. Vas-y, monte. Vas-y, j'ai plus de balles. T'as des balles ou pas? Non, j'ai plus de balles quasiment. On les poursuit. Okay, putain, il manquerait un pneu. Tranquille. On change de voiture. C'est eux devant, fais gaffe, t'approches pas trop. Ils sont descendus de leur voiture. Direction S. Mais montez, putain. Mais ils sont où les potes là? On a bien qu'ils sont là, on arrive. Ok, j'ai plus de balles, putain, il me faut des balles. Il y en a trois au sol, les gens autour. Gino, donne-moi une balle. Donne-moi des balles. Il y en a trois au sol. Je l'ai fumé. Ok, donne-moi une balle. Remonte dans la voiture. Donne-moi des balles. J'ai pas de balles. Monte dans la voiture. Je l'ai fumé, ce fils de pute. On les a niqués. Je lui roule dessous. Ok. Attends, on sort de la voiture, on change de voiture. Vite. Mais ils m'ont mis une balle dans le bras, moi je pisse le sang, j'ai mal. Putain, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, ils sont sur le pont, on y va. Note la position de ce fils de pute pour qu'on puisse l'enterrer après là. On m'appelle. Non, c'est pas fini là. Non, c'est la baston. Mais vous êtes où vous? Mais je sais pas. Mon téléphone bug, bordel. On est juste derrière vous. Salut les gars. Okay, on y va. Suivez-nous. On va voir. Arrête le véhicule. Il y en a trois butés là-haut. Arrêtez-vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une pause pizza? Non, je veux des balles. Quelqu'un a des balles, s'il vous plaît? Il me fait chier avec ces balles. Laissez-les. On va les fouiller. On va ramasser tout ce qu'ils ont sur moi. Mais moi, des balles. On va les fouiller, putain. On va les finir. Allez. Ok, je viens avec toi. Oui, petit papillon. Écoutez, vous fouillez leur corps, ils seront obligés de vous donner les chargeurs ou autre. Enfin, vous serez obligés de les prendre, pardon. Ouais, c'est pas sûr, ça. Si, il y a trois hommes à terre là-haut. Trois hommes. Ok. Restez les autres à terre derrière. Ok, écoutez-moi bien, je vous fouille. Donnez-moi vos balles de chargeur et vos armes. Je vous fouille. Et je suis en train de te fouiller ton cadavre pour récupérer tes balles et tes armes. Donc il faut que tu les donnes. Et je pisse le sang, putain, il me faut un garrot, vite. Ouais, je me sens pas très bien non plus. Ouais, moi non plus, je suis pas bien, on va aller à l'hosto après. J'ai pris trois balles. Moi j'en ai une dans le bras là, putain, ils m'ont pas... Attention dit. Oh putain. Ça va, petit papillon? On t'a sauvé, ma chérie. On les a tous fumés. Est-ce que tu as des balles? Est-ce que quelqu'un a des balles? Ils ont pas voulu me donner quoi que ce soit. J'ai fouillé, mais ils ont pas. Bah là, on décampe d'ici, on se casse. On se tire. Ok. Tu veux pas donner des balles? Je te fouille pourtant, il y a les balles. On se tire, on décroche. Attends, il est où l'autre? On est que trois là. Il en manque un. Non, c'est bon, il a pris une bagnole. Faut vite appeler un docteur. Notre mission est faite. Parkinson va prendre du service, tu vas prendre... Parkinson va prendre du service et il vous rejoint. Par contre, Vito. On a perdu Vito. Ah putain, Gino. Ouais. On vous amène un médecin, on va l'emmener en service. Par contre, vous savez que vous nous devez quelque chose. Oui, je vais pas oublier, t'inquiète pas. N'oubliez jamais, hein. J'ai quelqu'un avec moi là dans la voiture, c'est Gino, c'est ça, non? Oui, c'est moi, je suis mon ami. Voilà. Mais non, putain, mais reste là-bas, enculé! T'es con ou quoi? Tu peux me redéposer là-bas, s'il te plaît? Mais c'est pas vrai, mais vous êtes débile ou quoi? Vous pouvez retirer les casques, messieurs. Putain, la vitesse qui est tombée, le Renoir. Ah ouais, on l'a troué, hein. il courait vers nous sans un, du vois. Il s'est fait fumer. Je l'aimais bien, lui, c'est dommage. Ah, il s'est fait fumer comme du sang. Ah oui, il avait aucune chance, hein. Ah, face à la calache, hein, il avait flou. Il s'attendait à avoir deux personnes, il sortait avec une calache au cul. Ouais. Bon, GG, messieurs, ça a été géré de ouf. T'en as fait tomber combien, toi, moi? Je crois deux. GG. Le dernier, on sait pas qui l'a fait tomber, parce qu'on l'a tous trouvé. Je crois qu'il s'est fait shooter par une voiture le dernier. Non, celui qui courait vers nous, là. Non, parce que j'ai tiré. Ah, c'est moi qui l'ai fini. Ah,
Parce que j'ai tiré dessus aussi. Eh, très belle interpellation. Allez, prends une voiture, moi j'allais prendre une bécane et ranger mon truc. Vas-y. Bon, Parkinson, tu relèves Vito. Une fois qu'il est relevé, tu fais tous les soins possibles. Gino le récupère et ensuite tu réanimeras les... Est-ce que vous voulez les prendre en otage ou pas, messieurs? Non, mais... Non, je demande pour Gino et mes couilles, là. Bah là, ils sont morts, non? Ils sont morts? Bah, je pense, hein, je sais pas. Okay. On les avait déjà prévenus, et là, je pense, hein, c'est à voir, mais... Bah, le médecin... Médecin, tu certifies leur mort, là. Voilà. Gino, est-ce que tu certifies qu'on peut vous laisser, maintenant? Oui, tu peux nous laisser, ne t'inquiète pas. On débriefe de tout ça plus tard. D'accord. On passe sur notre fréquence, messieurs. On passe sur notre fréquence. Passez une bonne soirée, Si, grazie mille. On débriefera plus tard. Ah, ça va, moi? Ouais, ça va. Allez, passez une bonne journée. T'as vu le nouveau film à télé, là? Ah, lequel? Vas-y, raconte. Black Mirror va se négue. Ah, non, je connais pas. Ça se passe sur un port. Ah, ils sont tous fait fumer. Attends, je peux récupérer... Ah, bah... Tout le monde fait changer, tout le monde est sain et sauf. Messieurs, félicitations, ils nous en doivent une grosse. Et je parle pas de ma bite. Pink, change de couleur, t'as toute la nuit pour réfléchir, qu'on n'oublie pas. Oui, t'inquiète. Et tu nous mettras ça là où il faut. Ça roule, oh, j'ai hâte. Allez, je vais me balader, messieurs. Félicitations. OP réalisé avec succès. Le reste est plus entre nos mains. Ah bah regardez qui voilà. Regardez qui voilà. C'est Saïdar. Ah, bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Venez avec moi, s'il vous plaît. Bon, je peux savoir ce que t'as branlé ou pas? C'est compliqué à expliquer comme ça, mais pour la faire court... Avec quelques mots. Pour la faire court, on m'a obligé à m'endormir. Ah ouais, qui? Cette ville de merde. Et pour quelle raison? Pour la raison, c'était compliqué à expliquer. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu peux m'envoyer un email? Ouais. Ouais, tu peux le faire maintenant ou pas? Je vais le faire. D'accord. Bon, sinon, ça va? Ouais. Bah, pas trop, du coup. J'ai tout loupé. Ah, ouais. Du coup, oui, t'as un petit peu tout loupé. Mais, quoi qu'il arrive, ça s'est passé à merveille. C'était quoi, en fait? Parce qu'on m'a rien expliqué, ouais. C'était libérer deux otages. Donc, évidemment, toi, t'es au courant. Mais qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était libérer deux otages, donc ça a été fait avec succès. C'était Ashley et John. Évidemment, t'es au courant de rien, t'as rien vu, rien entendu, et t'as participé à rien du tout, ça roule? Ouais, bon, parce que t'as rien du tout, ça c'est la vérité. Bah oui, pour le coup, oui, mais je te le dis au cas où. Tu peux m'envoyer, s'il te plaît, par email? Ouais, je vais le faire tout de suite. Super, merci. Allez, bisous, messieurs.